Assalamu alaykum mbokk yi dal leen ak jam ci sen chaîne YouTube Mat Idi tay nak ñu and ak yeen dem ziaré suñu mbokk terminal L yi ñi jangat ak ñom lepp lu jëm ci walu suite numérique dañ ma xamal ni suite numérique yi ñu ngi leen di bëgg ray ak sen bop yaangi bëgg tak ñu bëgg ci and ak ñom nak ci ay vidéo yu gatt nga xamne dañ ci aborder benn notion par benn notion donc pour vidéo bu tay bi dañuy aborder lan moy suite arithmétique. Donc c'est parti. On dit qu'une suite UN, une suite UN est arithmétique s'il existe un réel R tel que UN plus 1 moins UN égale A égale à R. Majorité explication. On dit qu'une suite, écriture, boulon qui s'en est dit, une suite, le chiffre top UN de vie, c'est entre parenthèses. Et arithmétique, s'il existe, vous faites que maintenant, un ben réel, tel que le terme suivant, moins le terme en cours égale à une certaine constante R. Et ceci, quels que soient les deux termes consécutifs que je prends. Un exemple tout de suite. Exemple. La suite UN définie par UN égale à 2 fois n plus 4. Cette suite-là, elle est arithmétique. Pourquoi? Il faut essayer d'appliquer la définition pour savoir si la suite est arithmétique ou pas. Et c'est quoi sa raison? Donc, on va venir ici. La première chose, c'est d'écrire un plus 1 moins un. Ok? On écrit un plus 1 moins un. On écrit la formule dans un premier temps. Égal. Je vais remplacer un plus 1 par son expression. Par contre, on m'a donné que l'expression de un. Donc, je vais prendre ce qui est à droite de l'égalité. Partout où je vois n, je vais remplacer par n plus 1. Attention. Vu que je remplace le n par n plus 1 et qu'il y a un 2 devant, je ne vais pas oublier de mettre des parenthèses. Ok? Donc, un, on remplace 2, parenthèse, n plus 1, fermez la parenthèse, plus 4. Parenthèse. Ok? Maintenant, c'est mon feutre rouge. Le signe moins qui est là, j'écris moins. Automatiquement, j'ouvre des parenthèses. Voilà. Et je vais mettre l'expression de un, c'est-à-dire tout ça. UN est là, je mets tout ça. Donc j'ai ouvert une parenthèse ici. Donc 2N plus 4. Parenthèse, je ferme ma parenthèse. Tac. Et je continue. En continuant, qu'est-ce que je fais? Je développe ici. 2 fois N, 2N. 2 fois 1 plus 2. Plus 4. Le 4 ne multiplie rien du tout. Moi, devant une parenthèse, on enlève les parenthèses en changeant tous les signes qui sont dans la parenthèse. S'il n'y a rien du tout devant un nombre, c'est un plus. Donc, en enlevant les parenthèses, tous les plus deviennent des moins. Devant le 2, il n'y a rien. Donc, c'est un plus, ça va devenir moins 2. Moins 2n. Devant le 4, il y a un plus, ça va devenir moins 4 parce qu'il y a un moins devant. Alors, j'arrange. Moins 2n, moins 2n. Fiu, fiu. 2 plus 4, 6. 6 moins 4, 2. Donc j'ai un plus 1 moins un égale à 2. J'encadre mon résultat. Et je fais la phrase qui conclut la question. Donc, un, la suite, donc, la suite UN, donc entre parenthèses, est arithmétique.
mythique, des raisons, R égale à 2. La raison. Ok? J'ai appliqué directement la formule. On m'a donné une suite. Automatiquement, on me demande si la suite est arithmétique ou pas. J'écris la formule. Donc, il faut connaître la formule. N plus 1 moins N égale. Je récupère la valeur de N plus 1. En faisant quoi? En remplaçant dans ce qui est à droite. Partout où je vois N, je remplace par N plus 1. Attention, s'il y a quelque chose devant le N, j'oublie pas de mettre des parenthèses. J'écris, paf, donc ça c'est la partie N plus 1. Je mets le signe moins qui est là, ok, et qui est dans la formule. Automatiquement, j'ouvre les parenthèses. Après le signe moins, j'ouvre les parenthèses. UN, je prends tout, paf, je colle là. Je ferme les parenthèses et puis liste des développements, arrangements, adieu. Donc je développe 2 fois N, 2N, 2 plus 1, 2 fois 1, 2, plus 4, pas de souci. Moins, devant une parenthèse, on enlève les parenthèses parce qu'il n'y a pas de multiplication. En changeant tous les signes, comment dire, encore des termes qui sont dans la parenthèse. S'il n'y a rien du tout, c'est un plus. Rien du tout, moins, moins. Plus, moins, moins. 2N, moins 2N, fiu fiu. 2 plus 4, 6. 6 moins 4, 2. Donc ma suite est bien arithmétique de raison 2. Tout de suite, un deuxième exemple. Exemple numéro 2. La suite UN, parenthèse, la suite UN, parenthèse, définie par UN plus 1 égale à UN. Bon, UN plus 18. Voilà. Est-ce que cette suite-là est arithmétique ou pas? La suite est arithmétique, c'est seulement si ça, la définition. Première chose, on va écrire la définition. Ok? On écrit définition. UN plus 1 moins UN égale. Je m'arrête. Je vais récupérer UN plus 1. Heureusement, ici, on m'a donné la valeur de UN plus 1 en fonction de UN. Je récupère, je colle. Ici, je ne remplace pas le N par N plus 1 parce que j'ai déjà la valeur de UN plus 1. Donc, on récupère tout ça, on colle ici. Et ça sera le UN plus 1. Donc, UN plus 18, j'écris le signe moins en rouge, qui est là. Tac, automatiquement, je fais quoi? J'ouvre des parenthèses. Paf. UN, on me demande UN plus 1, UN plus 1 moins UN. Bon, UN, j'ai pas l'expression de UN, UN, je remplace par UN, il n'y a pas de souci. Ok? UN, et je ferme les parenthèses. C'est pas grave s'il y a un seul terme. Je vous dis d'ouvrir automatiquement des parenthèses devant un signe moins, comme ça, pour éviter des soucis. Ok, là je calcule. UN plus 18. Le signe moins est devant la parenthèse. On enlève les parenthèses en changeant tous les signes. S'il n'y a rien du tout, c'est un plus. Donc, moins va changer le plus en moins. Moins UN. Égal. Ok, UN moins UN. Fiu, fiu. Il me reste quoi? 18. Paf. UN plus 1 moins UN égale à 18. Je ferme, j'encadre mon résultat et je conclue par une phrase. La suite UN, voyez, UN plus 1 moins UN est égal à quelque chose, égal à R. Ici, c'est 18. Et le R ne dépend pas de N. Donc, ici, 18 ne dépend pas de N. La suite, UN est arithmétique. Médic, des raisons, R égale à 18, voilà. Donc, lis-moi suite arithmétique, c'est pas compliqué. Deux formes du même genre, mon mot existe en général sur suite arithmétique. De toute façon, il y a des genres, ok. Donc, pour suite arithmétique, soit on vous donne la forme explicite, c'est-à-dire la forme qui fait intervenir des N dans la définition, ou bien on vous donne une définition récurrente. C'est-à-dire qu'on définit le terme suivant par rapport au terme en cours. Ok? Bon, c'est beaucoup plus simple et c'est très rapide. Ok? À présent, donc, l'immoné comme premier point, bien voir la qui suit arithmétique. C'est la définition. Il faut connaître la définition par cœur. Quand vous avez vu la suite arithmétique, vous avez un exemple.
définition suite arithmétique, ngén japp ko bu baakha baax parce que dañ koy utiliser tout le temps bu ñuy démontrer qu'une suite est arithmétique. Doy lolol tay di lañ jox dig dajé ba benen ci continuer lan moy suite arithmétique inshallah. Jangen jeuf, wassalam. Dans maths, il dit les mathématiques deviennent un jeu d'enfant. Et mes...